Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut Jérôme. Cousigou qui me fait le plaisir de m'accompagner pour commenter cette finale qui se déroule à Plaie l'Intrigue à vous dans les Côtes d'Armor. Nous avons une finale qui va se voir opposer deux joueurs du même club, du club de Roscoff. Stéphane Dumont face à Sébastien Calvez. Ce match va être arbitré par Fred Bridonneau et Angélique Tanguy pour le compte temps, l'arbitre de temps. Voilà. Alors, Thibaut, est-ce que tu peux me présenter un peu ces deux joueurs que tu dois connaître un petit peu maintenant? Alors Stéphane et Sébastien qui jouent dans la même équipe, donc en DN3 à Roscoff. Stéphane qu'on a l'habitude de voir en finale. Oui, c'est et pas ça. Et Sébastien, lui, qui fait sa première finale. Oui, Sébastien Calvez, on n'a pas l'habitude de le voir en finale, mais c'est un joueur très complet. Un joueur qui s'accroche, qui a fait des belles performances hier pour se hisser en finale. Alors on peut peut-être parler de leur parcours avant qu'ils démarrent la casse qui a été gagnée par Stéphane Dumont. Alors en quart de finale, là, Thibaut, dis-moi tout. Donc Stéphane Dumont s'est imposé 5-2 pardon, face à Franck Le Tinévez. Voilà. Et en demi, il a... En demi, bah, Sylvain Leminou de Carnac, également sur le score de 5-2. Voilà. Après, nous avons également Sébastien, lui qui en quart de finale avait joué Yannick Jay. Et le tour d'avant, il me semble qu'il avait sorti Patrice Célin qui a été battu par. Donc, déjà, grosse performance de Monsieur Calvez. Et en demi-finale, il a battu Damien Cardreux de Brest, qu'on avait déjà vu lors d'une finale. Donc les règles restent inchangées. Hein. Toujours le premier à 5 qui se verra attribuer le premier titre de TR de la saison 2021-2022. Première finale individuelle. Alors, un bi sur bi pour ouvrir le jeu jaune, avec une table assez ouverte des deux côtés. La difficulté sera peut-être la jaune collée bande, car on sait que sur ces tables-là, les billes bandes sont quand même pas données. Il faut beaucoup d'applications. Mais c'est, on va dire, la seule difficulté qu'il devrait rencontrer, puisque je pense qu'il va se débarrasser de sa bille du milieu tout de suite, au-dessus de la rouge. En allongeant un peu et se mettre près de la bande. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc là, il va jouer la bille en bas à droite. Près de la bande, ouais. Ouais. Pour redescendre et peut-être jouer le long jet de bande de suite. Apparemment, peut-être pas tout de suite. On va voir. Non. Pas tout de suite. Il avait quand même deux autres billes qui lui permettaient peut-être de mieux maîtriser son approche sur ce long jet de bande. Parce qu'il faut quand même penser sur la noire. Alors, je pense qu'il va peut-être vouloir finir milieu. Les bandes, ça c'est pas le meilleur des coups sur cette table là. Il faut savoir que là il y a quand même la fameuse, alors je sais pas, c'est 45 secondes qu'ils appliquent ou comme au niveau nationaux entre les coups et 1 minute 30 après 45 secondes, ouais. Et que c'est des joueurs qui normalement prennent quand même Stéphane Dumont. Sébastien, je connais moins, mais il a besoin souvent d'un peu de temps pour exécuter son coup. Ouais, pour réfléchir, exécuter, et voilà. Donc, c'est des billes qu'on a
on perd vite confiance, hein. On n'est pas serein alors, avec la ouais. manche collée. Alors moi j'aurais peut-être juste la déposer pour aller jouer milieu après et jouer l'autre et puis remonter après. Ça restait une visée compliquée quand même. Hein. Là Sébastien qui a une table assez ouverte quand voilà. même. Avec peut-être comme difficulté la rouge le plus à droite de la table. Sébastien qui joue aussi à l'américain, ce qui fait qu'il a, je pense, un positionnement sur la table qui se rapproche du joueur d'américain et moins du joueur du pool. Car comme vous verrez, il est quand même bien au-dessus de sa queue de billard et décalé. Mais ça reste efficace. Comment va-t-il? Hein? Là, ça va peut-être se compliquer un peu plus. Bah, y a la rouge qui passe au milieu. Il faudrait. Le problème, c'est que pour passer derrière, il y a la jaune qui est près de la bande, là, qui est un peu gênante, là, celle qui est décollée de la bande milieu de table. Sinon, il aurait pu, avec le rappel bande, aller passer derrière la rouge. Ah, il va jouer devant la poche. Passer la rouge devant la poche. Voilà. C'est ouais. pas mal fait hein, puisqu'il l'empêche de jouer la jaune et il laisse rien derrière. Le coup est bon. Le coup est plutôt bon. Risqué parce que c'était le bon coup. Alors Stéphane qui regarderait la grande bande. En fait, il regarde plus pour le où mettre la blanche pour le mettre hors de position. C'est juste le contrôle de blanche qu'il regarde pour redescendre sur la table et ne rien laisser au niveau des rouges. Ah non, oh bravo. C'est pas ce que je pensais qu'il allait faire. Je pensais qu'il cherchait un coup d'attente. Ouais, il a pas trop de réussite dans ouais. son. Alors la jaune passe, hein, la poche n'est pas prise. Donc s'il arrive à empocher cette jaune et revoir l'autre, c'est un coup très compliqué parce qu'il faut maîtriser la blanche. Et là-dessus, tu peux. Bon, il va la voir. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire, essayer de la couper. Pour tenter la bande inverse. La petite bande, ouais. En largeur. Là, il faut de la réussite. La blanche, on sait pas ce qu'elle va faire. Mais il a pas le choix. Alors, je pense que normalement, ils ont le droit aussi à une extension. Je sais pas si, oui. si on leur a dit. Parce que c'est des coups qui pourraient demander peut-être un peu plus de réflexion. De temps. Bon, là, ça va être deux coups pour l'adversaire. Non. Non. Elle est restée. Alors là, Sébastien, il va sûrement gérer la table. Oui. Là. Parce que partir à l'attaque sur une table comme ça, c'est risqué, on va dire.
Donc là, je sais pas ce qu'il va tenter, Stéphane. Il regarde si le doublé est faisable. C'est très compliqué. Avec le positionnement de la blanche comme ça, c'est même pas faisable, je pense. Enfin, avec Stéphane, je m'étonne de rien. Parce que... C'est peut-être qu'il va tenter. C'était très compliqué avec le positionnement de la blanche. Alors, logiquement, Seb devrait faire bon usage. Alors, deux options, soit tu rapproches la rouge. Bon, je pense qu'il va faire le bi sur bi. Moi, je me serais peut-être pas occupé de la jaune. J'aurais peut-être juste remonté la rouge sous milieu. Moi, je ferais le bi sur moi, je ferais le bi sur bille. Hein? Je ferais le bi sur bi sur bille. Ouais. Mais étant donné que la jaune n'était pas complètement en poche, ça pouvait aussi mal se passer. Là, tu joues pour fermer la table, tu vois. Là, ça se passe bien parce qu'il repasse devant, mais il aurait pu tout aussi bien se... Là, t'as 3 billes, tu penses plus à la bille de l'adversaire. Là, tu dois aller au bout. Si tu fermes pas ça, là, c'est prendre un risque quand même. Il doit avoir un léger angle pour remonter. Ouais, c'est... C'est encore un peu fébrile là, je sais pas où est-ce qu'il va. Non. Coup de queue était pas bon. Le premier point dans une finale est toujours dur à mettre. Une fois qu'il est fait, tu te libères. Mais le premier point, il est toujours un peu compliqué. En plus, il est partiel, donc il est quand même obligé de faire un contact bande derrière. Donc, mais je pense qu'ils doivent pas, savoir qu'ils ont une extension parce que la visée reste... Je suis surpris parce que un Steph offensif l'aurait tenté. Là, il regardait un peu la blanche. Alors, il se dit, je vais peut-être faire une approche, mais... Non, il la joue pour... Je pense qu'il la joue pour rentrer. Oui, hein. Non. Il joue vraiment le contrôle de blanche. Voilà. C'est ça. Et c'est là que je te dis qu'on a un manque de confiance sur ces tables-là. Oui. On joue pas de la même manière. Total annoncé par Monsieur Frédéric Bridonneau. S'expose toujours à un petit coup de réussite quand on laisse rejouer l'adversaire, et il faudrait pas s'étonner si il se passe quelque chose en sa défaveur. Ça va, la blanche qui redescend et qui laisse une jaune compliquée. Donc il va encore y avoir un coup d'attente. Ouais, c'était Stéphane qui va placer sa jaune. Qui va placer sa jaune au niveau de la poche et rester derrière la noire. Et il la joue.
Bah 1-0 pour Stéphane. Ouverture du score de Stéphane. Alors là, c'est vrai que pour Sébastien, c'est pas la meilleure des entames de match pour entrer dans une finale. C'est une table qui, avec deux visites, lui était promise normalement. Donc on peut peut-être donner quelques résultats de. Mais bien sûr, Thibaut. De la journée d'hier. Je te laisse faire. Donc en catégorie Benjamin, en demi-finale, nous avons eu Lilian Moisan-Gérard du club de Chantepie, ainsi que Maxence Boitard. En finaliste, nous avons eu Ivan Waro. Et donc le vainqueur du Benjamin, c'est Calvin Créache du club de Kawenek sur un score de 3-0. Bravo Calvin, Calvin aussi qui fait une très belle performance en mixte car il sort en tour TSB Jérémy Chauvel. Et donc après... Il perd au quatrième tour TSB, mais déjà c'est... Très belle performance, hein. Rappelons son âge, il doit avoir 12 ans. 12 ans. Donc c'est prometteur. Et il domine des pieds et des mains la catégorie Benjamin au niveau Bretagne. Et je pense qu'il serait déjà pas mal aussi situé au niveau national. Si, je ne sais pas s'il l'est fait, mais... Non. Bon. Donc du coup, derrière, il y a eu aussi une catégorie junior où c'est Damien Joly qui l'a emporté face à Thibaut. Bravo Thibaut pour ta performance. Merci. Avec une finale perdue 3-1 et remportée donc par Damien Joly. Hein. Pareil, grand espoir. Vous êtes tous les deux des grands espoirs de la Bretagne. Et vous vous connaissez par cœur, je pense, depuis le temps que vous évoluez dans la même catégorie. Et puis on vous donnera la suite des résultats tout à l'heure. Alors, Stéphane Bastien. Dumont qui part sur rouge. Qui a une belle table. Oui, une table très très ouverte. Là, c'est juste de leur place. Du contrôle de blanche. Les tablas, il les connaît, il en vend, donc il doit s'entraîner régulièrement dessus. C'est bien, c'est contrôlé, la bonne dominante. Toujours un régal de voir ce joueur qui a une lecture de table qui est parfaite. C'est bien. Ah, il en mais manque non. Un peu. Elle s'est arrêtée. Apparemment, ça ne passerait pas. Faut peut-être mettre un petit peu d'effet. Là, il se retrouve en chevalet. Est-ce qu'il peut pas repartir sur la poche en bas à gauche? Non. Il lui reste le chevalet. Ouais, je pense que ça va changer ses plans du coup. Ah, complètement, ouais. Complètement. Je voulais finir peut-être sur une noire en milieu. Ah non. Le chevalet lui a fait louper la visée. Sébastien qui est sur jaune, qui a une table pas simple. Non, deux billets à la bande, une rouge bloquée en bas sur les deux poches. Un peu sous pression. Et là, tu vois, c'est des tables où tu aurais besoin de plus de temps pour les analyser.
Alors, il va peut-être jouer le longer de bande de suite. Ouais. Alors, peut-être pas pour la rentrée. Non, peut-être pas. Je pense que... Il l'a bien fait. Très bien fait. Stéphane va enlever tout de suite sa rouge. Car il reste encore du travail. Ouais, alors il va, je pense, jouer la grande bande pour la rapprocher de la poche. Soit en fond. Bande inverse. Grande bande inverse. Pour essayer de prendre la poche et ressortir la blanche. Parce que la bande avec l'angle naturel, il n'est pas sûr de l'envoyer au fond. Je pense qu'il va plus faire la bande inverse et ressortir, tourner avec la blanche. Et il le fait pas très bien. Il le fait pas très bien. Et en plus, tu vois, il laisse sortir cette jaune là. Donc là maintenant. Là, Sébastien peut aller au bout, ouais. Parce que la noire passe en plus. Puis même, il y a un petit appui. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment l'occasion de lancer sa finale. Se redonner un peu confiance aussi. Alors, c'est un tournoi qui a quand même réuni 148 joueurs. Hein, on est quand même gâté en catégorie. En toute catégorie au niveau Bretagne. Oui, et puis pour une reprise, c'est. Ça a répondu présent. Ouais, c'est très bien. Il y avait aussi un tournoi vétéran qui a réuni 50 joueurs. Une vingtaine de féminines. Donc, on va dire que tout le monde a répondu présent à ce rendez-vous dans une belle salle. Grande salle. Chauffée du mieux qu'on a pu et je pense que ça a été dans l'ensemble. Oui, très très bien. On a eu un week-end clément. Donc belle organisation du club de Tramin. Ton club. Mon club. Et première année que vous organisez un TR. Un TR, oui. Ouais. Et merci bien sûr aux collectivités, à monsieur le maire de Plélin de nous avoir... prêter la salle et nous avoir aidé à organiser cet événement car on sait que c'est toujours beaucoup de travail et je pense que tout le monde a été satisfait sur les retours que j'ai eu en tout cas. Alors là Sébastien qui décide de terminer sur la poche sur la pile en poche. Alors, deux choix s'imposent. Bon là il va finir pour la poche du fond. Il remonte bien. Ouais, mais un peu fort. Ouais. Un peu fort. Peut-être un risque de blanche. Oui. Et puis non. La visée est plus dure parce que là tu les joues un petit peu en aveugle hein, quand tu es en avec des angles contraires comme ça. Donc là, ouais, il pique un petit peu pour justement ouais, éviter. Ouais. Ah, il l'a bien fait, bravo. Hein. Bravo. Donc, un partout. Il est rentré dans son match. Là. C'est bien fait, hein. C'était pas un coup facile là, qu'il vient de faire. Hein. C'est vraiment pas un coup facile, parce que comme tu dis, il y avait un rejet naturel pour la blanche poche du fond. Donc là, il l'a quand même piqué, il a mis un peu d'effet. Donc il fallait quand même bien prendre sa noire. Ouais, et puis c'est bien joué d'avoir joué l'appui. Ça lui donnait une plus grande marge, ouais. Donc ouais. La finale est lancée. Donc alors, pour continuer sur les résultats, en espoir, en demi-finale, nous avons eu Baptiste Kiyourou du club de Chantepie, ainsi que Valentin Guarnisson du club de Roscoff. En finale, nous avons Youn Lemuel de Noyal-Pontivy qui s'est incliné 3-0 contre un autre Quintepien, Corentin Nourri. Donc Champy était présent sur le podium des espoirs. Et bah, je vois que le club de Roscoff a quand même été souvent bien représenté aussi.
Également, Tout nous va avons des partir. résultats au niveau féminin ou encore une finaliste. Alors, je ne sais pas comment on dit les gens de Roscoff, les Roscovites. Je sais pas du tout. D'accord. En tout cas, si je me trompe, excusez-moi. Donc, Angélique Tanguy qui s'est inclinée face à une joueuse locale, puisqu'elle est à côté de Plélin, elle est de la ville de Dinard, du club de Dinard, Karine Lemoine. Karine Lemoine qui ne joue plus très souvent, mais à chaque fois qu'elle fait une apparition, elle n'est pas loin de faire mouche. Donc, bravo Karine pour ton résultat qui a gagné sur un score de 3-1-0. Les demi-finalistes de cette compétition féminine, c'est Ophélie Baudard de Saint-Brice-en-Coglais et Marie-Édith Leminou, la maman de Sylvain Leminou C'est Sonia. et la maman de Sonia également, qui a joué aussi hier. Et voilà, donc bravo à elle également pour ce joli parcours. Une Alors, petite erreur de visée de Stéphane sur une rouge au milieu. ouais, Stéphane qui avait tenté de la débloquer, il a un petit manque de réussite parce que la rouge qui débloque rentre aussi. Du coup, ça lui laisse une visée pas du tout facile, surtout sur ses poches de milieu qui sont quand même très fermées. Mais qui laisse pas grand-chose à Sébastien, à moins que ça passe proche du milieu. Non, ça a pas l'air. Il va essayer de passer entre la rouge et la noire ou sur l'appui, appui jaune au fond, appui jaune pour essayer de passer devant. Ouais, et là, c'est bien, au moins il pourrit le jeu, il contrôle sa blanche. Là, c'est joué avec pas mal de malice. Bonne intelligence de jeu. On sent que c'est un joueur élevé à l'ancienne. De ma génération. Alors, Stéphane qui est total. Alors il va jouer la bille à droite et puis le longer de bande qui va laisser en poche. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bien Bien fait. fait. Comme ça, il se laisse une petite sécurité. Il est dans sa finale là, Sébastien. Je le vois concentré, envie de bien faire. Alors, Stéphane, sortir sa rouge. Où est-ce qu'il va bloquer sa poche en bas avant tout? Pour essayer de reprendre un avantage. Donc c'est ça. Il va peut-être prendre. Istat à y aller, hein. Istat à y aller, hein. Non, non, il va prendre la poche. Voilà. Soyons raisonnables. Faisons pas n'importe quoi. Sébastien va envoyer sa jaune, il a le coup d'avance, hein, Sébastien. Il va l'envoyer au fond et puis ou peut-être au milieu. Non. Au fond. Non, t'as raison. Milieu. C'est étonnant qu'il ait fait ce choix-là parce que Stéphane pourrait essayer de bloquer la poche en bas à gauche. Celle de la noire, en laissant la blanche là, je pense que c'est pas le meilleur coup qu'il y avait à faire. Il valait mieux descendre la blanche.
Ah, il la tombe. Il la tombe. Il ne peut pas ressortir la rouge, donc il va la sortir en bande avant. S'il peut pas la sortir directement, non, il pourra pas. Bande avant. La noire qui reste collée bande. Ouais, mais c'est, s'il la prend bien, il peut ramener la rouge sur son autre rouge. Le but c'est de la sortir après. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais. Elle l'a pas bien pris. Alors, au moins il a sorti sa rouge. Sébastien ne va pas avoir trop le choix, il va être obligé d'y aller aussi. Alors, sachant que pour moi les deux billes en bas de table passent. Oui. Oui, elle passe. La problématique c'est la noire. Est-ce que je la laisse là ou est-ce que j'essaye de la sortir ? Il va se débarrasser des deux billes. Ah non. Non, si si, mais c'est. Je crois que c'est pas le bon coup de canne. Il va jouer la bille en bas de table et faire rappel bande et jouer ah non, alors qu'est-ce qu'il va faire, se coller derrière la jaune. C'est très bien fait. Alors ouais, la bande avant est pas très compliquée. Il a pas trop pris les bandes comme il voulait, Stéphane. Alors, je sais pas si. Ah, là, il l'a parfaitement fait, par contre. Bravo. Ouais, très très bien fait. Ça mérite des petits applaudissements, hein, des coups comme ça. Hein. Et parce qu'il la laisse en poche et donc. Il bloque la poche. C'est plus compliqué. Ah, Sébastien, il pourrait aller jouer juste sa rouge. Non, il bloque pas. Non, qu'est-ce que va faire Sébastien ? Fermer un peu la rouge et remonter la blanche derrière ses deux jaunes. C'est ça. Derrière les deux jaunes, c'est ce qu'il a tenté à faire et il l'a plutôt bien fait. Il l'a plutôt bien fait le coup. Donc c'est Stéphane qui va être total. S'il arrive le 10 nook, moi je ferai peut-être sur la grande bande parce que la noire il pourra la finir au fond là où il y a la jaune, il y a un peu la gouttière en bas. Alors après, il doit pas y avoir beaucoup de marge pour. Donc tu rentres la blande et après tu finis sur celle qui est derrière la jaune pour finir la noire tout en haut à gauche. Par contre, faut pas se louper sur la bande et il est parfait. Ah, il est collé bande quand même. Collé bande, ouais. La blanche est remontée. Là, il faut que il fasse pareil, bande avant, je pense. Petite bande avant. Pour que la jaune se blanche, décale et puis ouais, qui se bloque dans la jaune, ouais. C'est pas facile à faire. Parce qu'il faut pas glisser en dessous la jaune, donc,
là, je pense que le rejet naturel devrait lui permettre de se bloquer au retour de bande. Voilà. C'est bien fait. C'est bien fait parce que là, il a également l'appui. Ouais. Et là, il faut vraiment mettre la bonne vitesse. Pas jouer à mourir, il faut passer la poche du milieu, parce que quand tu les joues trop mesure, c'est là que tu peux te prendre l'angle sortant un peu de la poche du milieu. Donc là, il faut pas hésiter à jouer le coup assez franchement. La bonne vitesse. Oh là là, il est parti complètement à l'extérieur. Donc là pour Sébastien. Grosse erreur de visée qui. C'est le chevalet, hein. Il y avait une très mauvaise position de chevalet en bout de doigt. C'est jamais facile. Et là, c'est cadeau. Cadeau pour Sébastien. De revoir cette table. Ouais, normalement là ça doit être assez simple pour Sébastien. Il n'y a que la noire qui peut rester bien qu'elle a l'air quand même assez écartée de la bande. Faut se mettre bien sur cette jaune. Alors faut éviter d'être trop court et d'être trop long. Mais il y a quand même largement la place. C'est bien. C'est un peu juste. Ouais, alors est-ce qu'il va pas tricher avec un peu d'effet gauche pour justement essayer de tenir la blanche? Sur les tables, c'est très dur à tenir la blanche. C'est très très dur. Alors, c'est bien fait, le retour de bande. Il est parfait sur la noire. Ouais, un peu près de la bande avec sa blanche. Donc pareil, position de main pas idéale. Et tomber. Juste à tomber, mais ça reste des optima. Il n'y a pas de marge, faut pas prendre l'angle. Mettre la bonne vitesse. C'était trop sec. Non, il est bien dedans. Appliqué. Donc Sébastien qui prend l'avantage. Qui mène 2-1, oui. Là il doit s'en vouloir un peu, Steph. Sur cette manche. Ben moi je vais m'occuper un petit peu des vétérans. C'est ma catégorie. Bon, j'y ai pas participé. J'essaye encore de faire le mixte, mais ça reste quand même ma tranche d'âge. Donc je voulais féliciter les demi-finalistes. Stéphane. Stéphane Defossé de Kawenek qui était en demi-finale et qui s'est incliné face à Morgan Guillou sur le score de 4-1. Laurent Dard, je ne sais pas si on dit Dard ou Daré, de Matignon, avec qui on a joué ce matin en équipe, qui s'est incliné sur le score de 4-2 face à Sébastien Ledin. Sébastien Ledin qui a été donc le finaliste du club de Douarnenez. Et qui s'est incliné face à Monsieur Guillou, qui s'est aventuré à faire le vétéran et donc qui l'a remporté sur quand même un score à la belle. En gros, en fait, ils l'ont fait en une sèche. Ils l'ont pas fait. Là, ils ont mis 4-3, mais en fait, ils l'ont fait une sèche. Parce qu'il était tard et tu comprends qu'à cet âge-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les résultats de ce week-end. Du week-end, oui. On a été assez complet, je pense. Ouais, ça fait du bien de reprendre les compétitions individuelles.
après ouais. une longue période d'inactivité. En espérant qu'on puisse aller au bout de cette saison, hein, puisqu'on a tous conscience que l'épidémie est toujours là parmi nous, qu'elle repart. Donc à nous de d'être responsables et de faire les gestes pour se protéger les uns les autres, de manière à pouvoir continuer à vivre notre passion, car sinon on risque encore de d'avoir une année disette. Donc déjà, si on peut reprendre la saison à peu près normalement, mais oui, mais c'est, je pense bien. Que ça dépend aussi de du comportement de chacun. Donc nous, au niveau de l'organisation, nous avons des protocoles au niveau des contrôles. Ça a été effectué à la lettre. Les gens étaient tous en règle, de manière à pouvoir profiter de ce beau week-end. Bon, revenons à notre jeu. Une table quand même très refermée, surtout en bas de table. Donc là, Stéphane qui calait rouge. Alors, peut-être qu'avec... ouais, c'est ce qu'il regarde. Il regarde pour rentrer sa bille et en même temps se décoller la rouge qui est quasiment coulée bande. Alors après, est-ce que le bille sur bille est aligné pour rentrer? Ça, je suis pas sûr. Bon, il doit pas en être loin. Et là, il faut un bon petit coulé. Pas oublier la visée, parce que des fois, on veut... Il a décollé pas assez. Pas assez, non. Pas assez. Alors Stéphane qui regarderait pour le bi sur bi. Alors après, faut faire attention aussi à la noire. Qu'elle aille pas... Alors non, il va... Prendre la poche. Il va prendre la poche. Aïe 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 aïe. Eh oui. Il fallait pas que ça tombe. Alors là, il a quand même peut-être moyen d'y retourner. On va faire la bande. Pardon. Peut-être faire la bande en attendant. De toute façon, les jaunes, c'est pas fermé non plus. Hein. Il y a encore que ce qui est près de la noire. Ouais, est-ce qu'il tente. Alors, qu'est-ce non, qu'il. Il joue sur les deux qui sont en bille sur bille. Ouais, il ferait la. Il voulait chasser la jaune pour que la rouge puisse passer après. Il l'a pas fait suffisamment non plus. Sébastien là qui a pas une table évidente. Alors là il va jouer sa jaune et rester derrière. Alors, ça va obliger Stéphane à peut-être jouer la rouge directement. La blanche en bas, on décale un peu la rouge. Pas assez. Là, le but c'était de pas pouvoir le laisser partir, mais il a quand même une jaune qui passe au fond. La jaune qui était problématique près de la noire. Alors est-ce qu'il va partir à l'attaque ou justement prendre la poche du fond? C'est compliqué de prendre la poche. Doser le coup, autant sur des longées de bande, tu peux facilement, bah, plus facilement tricher avec la bande, mais là. Non, il va préférer. C'est
c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'il décolle un peu plus sa jaune qui maintenant passe mieux. Alors, le contact bille, ça change tout. Ah oui. Ça change tout. Parce que là du coup Stéphane va jouer la bille. Bah oui. Le coup est malheureux, on va dire presque. Tu vois? Et vous avez fait quoi ce matin? Alors nous avons fait un match nul contre l'équipe de Matignon. Un bon match nul et puis on a gagné 12-4 face à l'équipe de Douarnenez 2, mais les pauvres ils n'étaient que 3 toute la journée, donc je compatis à leur douleur parce que venir faire un championnat à 3 en disant que tu vas perdre tes 3 matchs, c'est quand même pas l'idéal. Et vous? Alors nous on gagne de mémoire 9-7 contre Brest 2 et on fait match nul contre Caudan 3. C'est dommage parce qu'on a les deux équipes ont quand même laissé des tables, mais après globalement on est content de ce matin. Bon. Et c'est vrai que le deuxième match était plus compliqué. Ah, de toute façon, c'est compliqué. Les championnats, on mange sèche sur des... Je sens que ça va finir par tomber, ça. Alors, un jeu qui est un petit peu en coup de... On va dire, ce de positionnement de blanche... essayer d'embêter l'adversaire. Alors moi ce que je ferais c'est que je jouerais la rouge qui est juste en face de la blanche. Noire. Voilà, et je viendrais me coller derrière la noire. Ouais. Mais ta rouge t'en fais quoi? Je l'enverrai au fond, ou alors je me cacherai juste derrière la rouge qui est... Et il l'attaquait. Et ben lui il attaquait et passait. Mais c'est intelligent parce que il laisse pas grand chose quoi. La blanche. Oh, 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 oh. Non, elle doit pas passer. Et... On voit en face que c'est un joueur intelligent aussi. Hein. À chaque fois, il met les blanches. Bon, il voulait pas la mettre jusque-là, mais dans l'esprit, c'était vraiment pour lui mettre un coup difficile derrière et tout en construisant son jeu. Donc c'est... C'est bien réfléchi. Et ça met Stéphane en difficulté parce qu'il est obligé de jouer dans ces deux rouges là. Et donc à lui aussi ça lui arrive. Après, les coups de réussite font partie du jeu. Oui, oui, oui. Il faut reconnaître aussi quand on en a. Pas toujours dire que c'est les autres qui en ont. Faut savoir. C'est pour tout le monde.
Là, c'est pas. Ah bah c'est pas une partie qui est finie, hein, je vais te le dire, parce que maintenant Stéphane casse sa rouge là-bas. Alors là, Sébastien, il laisse une ouverture pour Stéphane. Il va peut-être essayer d'y aller, mais bon, c'est. Pour moi, il a 30 d'angle pour redescendre directement sur la rouge à côté de la jaune. Bah, dans l'idéal, ça aurait été voilà, de pouvoir jouer cette rouge en bas à droite et puis maintenir un angle sur celle-là au milieu et dégaler, mais il l'a pas. Donc il va peut-être essayer de passer poche du fond devant. Ça tombe. Donc il y va pour essayer de sortir sa rouge. Et là, il faut quand même. Soit il veut juste la décaler ou essayer de la sortir, mais si tu la décales et que tu joues mesure, ben, tu peux peut-être, si tu prends bien la rouge, avoir ton rappel derrière sur la rouge du bas. Si tu envoies, là, il faut de la réussite pour. Donc, aïe 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 aïe. Et là, il a fait un coup de français. Ça arrive souvent en français lorsque tu fais le 3 bandes classique. Tu penses aller dans ton angle et faire ta touche, et finalement, tu fais pas le point et fais le cadre. Et c'est ce qui lui est arrivé. On reprend la poche. Voilà. Et on attend. Il faut pas sortir la jaune tout de suite. C'est une erreur. Parce que s'il laisse la blanche là, lui il aura l'angle pour aller sortir sa rouge en rentrant celle-ci. Là maintenant, Steph peut y aller. Ouais, il peut faire un rétro. Il fallait pas sortir là, il fallait pas la sortir tout de suite. Il avait le coup d'avance, il fallait surtout pas lui laisser la possibilité de le faire. Je dis pas qu'il va y arriver. Là, Stéphane qui peut faire rétro longer la bande. C'est très dur hein, sur les tables-là de le contrôler, mais déjà s'il peut dépasser le milieu, ça lui permettra d'avoir un coup de gagne. Non, il attend encore. Il attend encore. Il attend encore. Il avait peut-être pas tout à fait le bon angle pour le faire. Vraiment dans un coup à toi, un coup à moi, partie qui dure. Faute de visite, il n'a pas fait le contact de bande. Comme quoi, il a bien fait de pas le tenter, hein, le coup d'avant. Hein. Incroyable. Après, c'est des choses qui arrivent. Oui, bah oui, qui. Oui, par-dessus comme ça. Donc là, Stéphane qui va tranquillement faire le bis sur bis, rouge sur jaune. Voilà. Et finir la noire au milieu. Alors, soit tu fais un grand rétro et tu redescends en bas de la table. Pour avoir un rejet naturel, soit tu prends pas le risque, tu restes là et tu freines ta blanche. Non, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il est presque trop. Non. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
C'est bien fait. Donc là, c'est juste une visée. Donc normalement, ça doit faire 2-2. Voilà. Deux manches partout. Une partie tactique. Oui, oui, oui. Partie très tactique. Qui se termine par une petite erreur de Sébastien. Alors le prochain TR, dis-moi Thibaut, c'est l'UDA qui me semble. C'est ça. Et c'est au mois de décembre. Alors la date exacte, je ne le sais pas. Toi non plus ? Non. D'accord. Merci Thibaut. Merci alors, d'être venu. Je vais te dire ça tout de suite. Il me semble que c'est le week-end du... Pour moi, c'est aux alentours du 9-10 décembre. Il me semble. Alors. Alors, casse, Stéphane Dumont toujours. Deuxième bille sur le côté. La blanche dans le paquet. Confirmation impossible. Puisqu'il ne passe pas sur la rouge. Donc, la table qui va certainement pas être confirmée sur ce coup-là. Sauf si il tente une bande avec la jaune. Même pas, elle passe pas. Donc, il va falloir faire un coup d'attente. Donc, t'as pas retrouvé ton matériel là. Non. J'ai dû l'oublier lorsqu'on jouait sur une... D'accord. Tu vas aller voir peut-être, non ? Parce que ça non, reste un téléphone. J'irai tout à l'heure. D'accord. Mais ça doit être la première ou deuxième semaine de décembre. Il me semble que c'est la deuxième. Donc, coup d'attente de la part de Sébastien. Oui, pas de confirmation possible, donc coup d'attente, même chose pour Stéphane. Donc c'est ce que je disais, donc en fait le TR de l'UDEAC sera le 18 et le 19 décembre. Ah donc c'est le troisième week-end de décembre. Ok. Donc il me semble que c'est la semaine des vacances. Ah, ça tu crois. Dois savoir ça. Je crois. Ouais, c'est le week-end qui démarre les vacances de Noël. Ça tu sais ça Thibaut. Donc, toujours de la tactique pour la confirmation. Alors, la confirme rouge doit pas être faisable du coup Stéphane va sûrement partir jaune mais c'est vrai que la table jaune est compliquée. Il va partir jaune. Ça c'est pas mal. Ouais, alors il va si la jaune passe au milieu à gauche, ça lui laisserait une ouverture pour aller jouer la bille juste à côté dans la poche opposée. Ça c'est bien, il a le décalage, il passe milieu. Mais je poserai la question quand même lorsque je vais les interviewer en fin de match, parce que je suis persuadé qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont l'extension
Bon. Ou alors c'est moi qui me trompe, mais si on applique les 45 secondes, on applique également l'extension. Sinon, ça devient compliqué. Avant, on avait la minute, on passe à 45 secondes, mais il nous faut une extension. Et là, ils ne l'ont pas utilisé une seule fois. Donc, à mon avis, il y a une erreur de communication. C'est bien fait. Après. Il n'a pas la bonne de Ben non, ben non. venir. Mais il le savait, tu pouvais pas l'avoir. Donc, il part quand même sur une ferme. Très Bah oui, compliqué. avec ces deux jaunes en bas de la table qui passent pas. Enfin, Alors elle passe, mais elle après passe, oui. Il faut être derrière elle, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être dans la bonne zone. Et avec les angles qu'il a là, c'est difficile de se retrouver dans la bonne zone. Donc là, il joue la plus dure, celle qui est près de, pour essayer d'avoir la bonne dominante. Mais il l'a pas, il est trop long. Sacré ferme hein, qu'il essaye de faire parce que là, il est presque droit sur poche du milieu donc dans le meilleur des cas il va se retrouver poche du milieu sur une finesse milieu qui va aller choquer on ne sait quoi et toujours ce temps là qui défile pour jouer des coups comme ça L'extension serait le bienvenu. Bah quand même, oui. C'est pour ça que je dis ça. Ah, Ouais, non, non, mais là tu fais pas de miracle. Hein. Ah, il peut passer devant la noire. Avec sa jaune. Tout ce qu'il peut essayer de faire. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de regarder. Deux bandes à puits noirs. Donc là, c'est un truc de. Alors, tu fais deux bandes à puits noirs, je m'arrête dans la rouge et pour rejouer la jaune, non. Non, il va préférer garder la poche. Ah oui, bien sûr. On aime le spectacle, mais quand même. Faut pas se mettre en danger non plus. Bon, faut arrêter les frais. Donc arrêter les frais. Sébastien qui a une table assez ouverte hormis. Bah, 7 rouges contre 2 jaunes, voilà. ça devrait quand même logiquement être en sa faveur. C'est osé quand même. Hein. Ouais. Et lui donne quand même la possibilité de tenter. Alors certes, hein, mais je sais pas, je comprends pas cette manière de défendre. C'est risqué. Même s'il y a une chance sur 10 pour le faire. Et ça, c'est ce genre de coups qui peuvent bien motiver Stéphane. Après, la blanche est collée, il peut rien mettre, pas trop mettre sur sa blanche. S'il prend pas le bon effet. Et voilà, c'est bien fait, mais il n'a pas de réussite. Et là, il fallait envoyer beaucoup plus, quoi. Et puis là, la bande va être. Là, faut être très très bon pour les toucher là. Faut être très très bon. Peut-être que Monsieur Lambert aurait quelque chose à nous proposer, mais moi je ne le vois pas. Pourtant, je fais un peu de français. Hein. Ouais, Sauf si ça passe derrière là, entre la bande et la noire. mais je crois pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup Si tu de. passes entre la bande et la noire, tu peux avec le rejet des angles peut-être toucher la jaune, mais là, même avec l'effet, il y a la rouge dans la trajectoire du deux bandes, je vois pas. Oh énorme! Oh énorme! Oh là 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 là!
disais. Ah bah voilà, tu vois, bah il fallait s'appeler soit Monsieur Lambert ou soit Monsieur Dumont. Et c'est un Et très il est très pas, bon et il point. a failli faire le coup à la perfection en dégageant la noire. C'est pour payer, hein. Il a pas de réussite sur ce coup-là. Un coup comme ça, tu mérites de gagner la partie quand même. Ah oui. Hein? Le beau jeu, comme on dit, le beau jeu ne paye pas. Les coups spectaculaires là, c'est ça mériterait quand même, quoi. Ouais, magnifique deux bandes avec latéral. Et là, ouais, Stéphane il l'a fait un peu trop fort. Ouais, Stéphane qui n'a Il pas peut du tout fermer. être réussi. Il peut fermer. Ouais, Stéphane qui n'a pas du tout eu de réussite sur son coup. Ah, en tout cas, ça c'est le coup du match quand même. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que des coups comme ça, on n'en voit pas tous les 4 matins. Ouais, c'est Sébastien qui a juste de la replace à faire. Qui doit juste s'appliquer. Un peu court peut-être. Sébastien qui va jouer le jeu de bande en rétro sur passer, c'est pas tant le jeu là, c'est le jeu. Il faut pas, faut être bien dans la poche et c'est le jeu. Tu remontes pour jouer milieu derrière, voilà, c'est bien. C'est un peu entre les deux mais c'est bien quand même. Donc là il va juste pousser. Pousser. Fond, milieu. On est d'accord? C'est ça. On est d'accord. C'est parfait. Donc Sébastien pour remporter la partie. En faveur de Sébastien sur dire un manque de réussite de la part de Stéphane sur son coup. Ouais, je vois en train d'en discuter là, je sais pas. Bah, c'est vrai que ça aurait mérité de un meilleur résultat sur cette manche là, sans faire de preuve de favoritisme, mais pour la beauté du coup, ça aurait été ouais, sympa. Il manquait un tout petit peu de puissance. Mais... ouais, c'est ça. Déjà d'avoir réussi un coup comme ça, c'est déjà. Oui, mais ça sert à rien puisque. Oui, oui. Il aurait donné deux visites, le résultat était le même. Sauf pour la beauté de nos yeux, quoi. Donc Sébastien Lacasse. Une bille en tête, lui, hein. Bille en tête ah, avec ouais, une blanche. Blanche directe. Une belle table. Que Steph devrait réussir à, normalement à négocier. Je vais pas lui porter la guigne.
Alors vous avez comment ça se passe? Parce que je sais que toi tu es souvent aussi c'est appelé dans les effectifs de France pour pouvoir faire des stages, des préparations, des stages de Oui. préparation compétition internationale. Tout Comment à que ça se fait. passe en ce moment-là? Alors là, en ce moment, les coachs nous ont donné des exercices à réaliser. En club? C'est ça. Donc, 7 exercices D'accord. que nous devons réaliser au minima 6 fois avant d'être donc pris en charge en visio avec l'un de notre coach respectif en équipe. D'accord. Donc, pour Attends, t'es supervisé par qui, toi? Eric Vaquier. D'accord, Qui a Eric, à qui je repris, passe le bonjour d'ailleurs, s'il oui, nous écoute. qui a repris donc en charge l'équipe U18. Et donc, Eric qui était, je fais la parenthèse, qui était sélectionneur de l'équipe de snooker l'année dernière ouais, et qui s'est lancé à s'occuper des jeunes. tout à fait. D'accord, et donc ça c'est pour les. Vous avez des dates de compétition à venir? C'est Alors, pour le mois de février, vous n'avez pas. Non? non. Alors, on a les championnats du monde donc en octobre l'année prochaine. Qui auront lieu chez nous, sur notre territoire. En France, tout à fait. Donc, Ah, c'est où? Albi, Albi. dans une magnifique salle qui est la salle des expositions. Oui. Et donc, la Donc là, dernière fois que les championnats du monde en France avaient à eu lieu, c'était Limoges en Limoges en 2012. 2010. 2012? 2012 ou 2010? Tu me mets un doute. Enfin bref. Soit l'un, soit l'autre. C'était l'année, je sais, où Sébastien Ramier avait fait finale au championnat du Magnifique monde finale face d'ailleurs. à Jason Shaw, Qui qui est maintenant d'ailleurs. joueur américain. Oui, j'ai regardé la finale récemment. Jason Shaw n'a clairement rien loupé et met 6 sèches de suite. Ouais, c'était un boucher, ouais. Qui maintenant s'est lancé dans l'américain et qui fait notamment partie, je crois, de la team Europe. Moscone Cup, Team Europe. Il fait la. Oh, oui. C'est un pilier d'ailleurs de cette équipe. Et donc là, c'est l'échéance à venir, c'est celle-ci, quoi. Voilà, tout à fait. Stéphane qui vient de se louper sur sa replace rouge. Il est trop juste. Donc, il a choqué la jaune. Et est partiellement snooké sur sa rouge du milieu. Et de toute manière, là, il va pouvoir jouer que la blanche sur ce coup-là. Alors, est-ce qu'il va utiliser l'extension de temps? Non, Non. non, je peux. Soit ils n'y ont pas dit, soit ils n'y pensent pas, comme on n'est pas habitué encore à ce mode de. Là, il fait à moitié une bande inverse, il envoie, il se pose pas trop de questions. Ah, y a faute. Est-ce qu'il a été signalé une faute de temps? Faute de temps? Ouais. Bon, ben, il n'a pas entendu, Stéphane. Donc alors, est-ce qu'il y a faute ou pas? Oui, Oui. mais il m'a confirmé qu'il y avait faute. Et donc là, typiquement, je pense qu'il aurait demandé l'extension, tu vois. Oui. C'est pas notre rôle d'intervenir sur les points de règlement, mais il va falloir quand même qu'on clarifie ça à la fin de cette finale. Pour au moins les prochaines. Oui, pour que les joueurs soient bien au courant qu'il y Thibaut a fera sa l'extension. finale, qu'il sache que il aura le droit à une extension. Ça fait quoi d'ailleurs au mixte parce Je que. perds au premier tour TSB. D'accord. Donc Aïe 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 aïe, perte de contrôle de.
de sa blanche. Et donc, on va repartir sur un coup d'attente de Sébastien. Je pense pas qu'il va envoyer. Non, ça va attendre. Alors Stéphane qui voit sa bille au milieu, alors je pense pas qu'il puisse la tomber. Non. Il peut glisser dessus, la recentrer, descendre la blanche. Pas vu l'arbitre s'il avait vérifié que la rouge ne touchait pas l'angle, parce que dans ce cas-là il y aurait eu faute, parce que s'il y avait contact de bande. Donc Sébastien qui va jouer la bille au fond à droite, qui va sûrement jouer la bille après. Alors il part en rétro. Oh, ben c'est... Faut... c'est un mauvais coup de queue. Pas facile là non plus. Ouais, Stéphane qui a quand même... Tu peux pas contrôler la blanche non plus, là. Elle est tellement fine que t'es obligé... Pour la rentrée, t'es quand même obligé de mettre un petit peu de... Ouais, c'est ça. C'est pas tenable. La bande inverse. Bande inverse. Ouais, avec, soit tu prends un peu plus large et t'essayes d'appui. Chercher la deuxième bande, faire appui. Ou en direct, mais c'est plus dur. Je pense qu'il va opter pour la bande inverse. Oui, la bande inverse, mais est-ce qu'il va chercher avec la deuxième petite bande et chercher l'appui jaune, ou est-ce qu'il va essayer de le faire comme s'il n'y avait pas la jaune? Moi, je tenterai la... J'aurais... Là, il est entre les deux, tu vois, donc du coup, ouais. Il est entre les deux. Alors après, c'est... Sébastien qui a quand même la possibilité de faire un coup de défense. Maintenant. Ah, il n'y a pas contact, ou il y a contact, je sais pas ce qu'il a dit. Il n'y avait pas contact. Voilà. Alors, est-ce que Stéphane est total ou partiel? Nous sommes à 1h15 à peu près de finale. Ensuite, nous enchaînerons sur une troisième journée de championnat par équipe pour clôturer ce week-end à Plélin. C'est beau. C'est beau, il nous a quand même sorti des petits coups sympas quand même. Hein. Il nous sort des petits coups sympas. Il n'est pas récompensé. Là, il va chercher l'appui milieu. Appui jaune milieu. C'est pas mal aussi s'il le fait. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même le réussir. Avec la blanche par contre
qui elle voyagera donc ah là 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 là. Puis en plus il donne deux visites quoi, c'est après ça reste quand même pas simple là, avec deux visites parce que ah oui, le fait que la jaune soit dans l'axe de la no... que la noire soit dans l'axe de la jaune, tu te dis tu as quand même cette petite jaune en bas là qui est entre les bandes. Ouais, tu peux la jouer au milieu, mais bah, c'est ce qui part. Tu pars pour finir milieu. Enfin, au moins se replacer milieu. Quitte à pas rentrer celle qui est en poche, tu la gardes en rappel au cas où. Ouais, il valait mieux. À la limite la garder. Hein. J'ai vu. Voilà. Donc 3 partout. Ouais. Ouais, les poches du milieu sur ces bières là sont strictes. Et donc c'est ouais, là alors c'est, après, faut c'est quand un même... petit coup de chaud quoi. Après elle était pas facile. On va dire que sur les coups, il méritait bien d'en prendre une quand même, sur les coups qu'il nous a fait. Oui. Que perdre les deux là, sur deux jolis coups, ça n'a pas été mérité. Donc voilà, il reste maximum 3 parties, au maximum, en espérant voir une petite ferme sympathique. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de... Non, il y a toujours eu une petite erreur, un petit déchet. Donc Stéphane à la casse. Casse, deuxième bille. Blanche. La blanche. Blanche, blanche et jeu jaune. Très beau jeu jaune. Ouais. Alors, tu démarres sur le long jet de bande. Ouais, tu la laisses en poche. Et donc là, Sébastien quand même. Qui a faut se donner le bon schéma, c'est tout. Et juste à se faire confiance, à bien se replacer. Il n'y a rien compliqué dans cette ferme. Il va se tendre des pièges tout seul parce qu'après il va se faire un bille sur bille. Tu vois. Là il va se replacer sur un bille sur bille. Et là après tu es obligé de ressortir du bas de la table pour rechercher une replace sur le milieu. Quoi. Ouais, et puis le bille sur bille est pas simple parce que les billes sont pas tout à fait alignées. Donc le bille sur bille peut se désaxer. Faut bien le prendre. Il décide de se libérer de cette jaune milieu, ce qui n'est pas stupide à mon goût. Oh la noire, oh là là là, oh là là. Et finir sur un bille sur bille, alors ça c'est quand même pas terrible. C'est pas le meilleur coup à faire. Ouais, mais là j'ai l'impression que Seb est en train de prendre des coups de chaud là, et je serais pas persuadé que... Comme tu dis, le train peut mal se passer. Faut bien le prendre à l'intérieur, pas extérieur.
Oh là là, oh là 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 là. Là, ça va être la bande inverse, et puis. Oh non, mais là c'est. Et regardez la finesse. Je parle pas trop fort. Il joue la finesse. La blanche, on sait pas. Voilà. Magnifique. Alors ça, c'est des coups de rattrapage. Il est pas malheureux de prendre cette manche dans cette ferme qui est avec le regard dubitatif de Stéphane. Et donc, on voulait une sèche, on l'a eu. Ouais, tout à fait. Voilà, on n'a pas dit comment, mais il l'a bien rattrapé. Mais je pense qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, parce qu'effectivement, la bille du milieu était un petit peu chiante, parce que s'il faisait son bille sur bille, il était obligé de repartir sur son train pour finir se replacer au milieu. Et là, la fenêtre, elle était pas simple à trouver, la zone de replacement. Donc il a voulu se débarrasser tout de suite de sa problématique de la bille du milieu, mais t'as vu, il a bien failli nous rentrer la noire dans un premier temps. Le bille sur bille qui s'est mal fait, et puis après, la blanche advienne que pourra, et il a eu la chance de pouvoir rejouer la noire. Alors, il a fait avec ses petites erreurs, mais il est allé au bout, c'est l'essentiel. Alors... Donc, casse de Sébastien qui s'assure au moins la belle. Voilà, donc lui il est assuré de jouer au pire des cas deux parties et peut-être une blanche et encore un jeu jaune plutôt pas mal. Jeu rouge n'est pas mauvais non plus, donc je dirais même rouge parce que la noire elle est pour la rouge. Donc je pense que je partirai rouge. Alors soit si ça passe, tu débloques ta noire, tu la recentres un peu. Les deux jeux sont bien, hein. Oui. Mais je pense du coup il va partir jaune maintenant. Oui, il va partir donc, jaune. Voilà. Mais sur jaune, on va finir sur la noire. Je pense qu'il va garder sa bille au milieu à gauche, à droite, pardon. Et tu crois qu'elle passe à la poche du milieu? Oui. Ouais. Stéphane qui alors je sais pas s'il a un petit angle sur la bille du milieu ou s'il est complètement droit. Alors en fait il va jouer son plan c'était de finir milieu donc là le problème c'est qu'il est... alors c'est toujours faisable oui mais part qu'il se donne pas les bons décalages donc là il va peut-être finalement se servir de sa bille du milieu pour jouer juste la replace noire tu vois parce que là t'es tenté à sortir la noire mais il faut pas la sortir. Donc il va rejouer la jaune dans la même poche. L'autre jaune, il va la jouer dans la même poche. Ouais. Voilà. Mais... il est... droit. Non, il doit avoir... je pense qu'il doit avoir un léger angle.
Bon, si là, il peut revenir poche du milieu de table pour se mettre bien sur cette jaune milieu. Il a pas la bonne dominante. Ça fuit un peu. Enfin, il vaut mieux l'avoir dans le sens là que dans l'autre. Hein. Oui. Là, il peut la doser, freiner la blanche. Et il ira pas loin avec sa blanche. Voilà. Là, il la pose. Eh bien, et même parfait. Donc, rouge sur jaune pour Stéphane. Et tu vois, on va peut-être assister à une deuxième sèche. Il suffisait de les réclamer, on aurait dû commencer par ça, je crois. C'est ça. Un chevalet délicat. Il faut être bien posé sur sa main. Parce que là, avec les poches là, magnifique. Voilà, bien envoyé. Donc, 4-4. 4 partout, une sèche partout. Et la belle avec casse à Sébastien Calvé. Non. À Stéphane. Ah non, Stéphane, oui, effectivement, parce qu'il a rentré la blanche. Je dis des bêtises. Pour une fois. Avec la case deuxième bille. Ouais. Alors, dans quelques minutes, nous allons connaître le nom du vainqueur de ce premier TR saison 2021-2022. Je sais pas qui a remporté le dernier TR. C'était à Noyal Pontivy. Je sais plus qui l'avait remporté. Alors moi étant absent depuis quelques saisons, je ne peux point te dire, Thibaut. Donc Stéphane à la casse. Casse très explosive. Oui, belle casse. Dommage. Car la confirmation est compliquée. C'est sur une longueur. Jamais facile. Bah, il y a du taf. Ouais. Ouais, parce que. Alors, s'il décide de partir jaune. Il va, ou alors il fait un coup d'attente, mais sinon il est obligé de partir jaune. C'est la seule confirmation qui s'offre à lui. Donc, parce que Sabi, à côté des deux rouges, en haut, doit passer dans la poche du fond à droite. Après, c'est ces deux billes en bas qui risquent d'être difficiles à gérer. Non, c'est. Il déciderait de partir sur. Confirme au fond. Ouais, confirme au milieu ou confirme au fond. Soit en banc de milieu, soit sur poche du fond. Voilà. Après, les jaunes, tout passe. Hein. Tout passe. Ouais. Eh ben c'est pas confirmé non plus cette histoire. Ouais, donc on va encore attendre un petit peu là parce que c'est pas pour le coup prochain. Toujours choix des couleurs. Oui. Et toujours pas possibilité de confirmer les rouges. Alors, les jaunes sont moins belles maintenant. Est-ce que Sébastien va tenter un coup d'attente? Si tu veux, il y a un bille sur bille qui rentre en faisant rouge sur jaune, mais est-ce que tu as envie d'avoir les jaunes maintenant? C'est ça la question. Moi ça m'emballe moins déjà, partir sur jaune là-dessus. Et apparemment c'est ce qu'il fait, mais c'est en train de pourrir le jeu, mais alors, maintenant je veux bien les jaunes. Ouais. Elle tient toutes ses promesses, cette belle. Stéphane
qui va faire un coup d'attente. Parce qu'il y a toujours chaud des couleurs. Ouais. Et ça va être le cas encore quelques coups. Alors, par contre, il a un B sur B qui est aligné pour les rouges. S'il fait rouge sur jaune sur rouge. Oui, et puis je suis en face et c'est vrai qu'elles sont. Qu'elles sont droites. Mais il va pas le faire. J'ai pas compris. Non, moi non plus. Bah là, peut-être, Stéphane. Peut-être qu'il s'est dit, ben allez, mon coco, vas-y. Si t'as envie d'en manger, t'en manges. Moi, je vais attendre ton erreur. Donc Stéphane qui va partir jaune. Moi, à mon avis, là, il a quand même l'ascendant sur la table parce que tu confirmes jaune. T'approches ton train bi sur bi tout en bloquant un peu avec la blanche en dessous. Franchement, il peut même en tentant de rentrer le long jeu de bande aller débloquer un peu ces deux jaunes qui sont couchés là et voir ce qui se passe. Hein. Prends pas trop de risques parce que bon, il va quand même tenter la ferme. Stéphane, c'est un joueur qui aime développer un peu de beaux jeux, donc il va essayer de débloquer. Est-ce qu'il fait le B sur B? Je pense qu'il va le faire. En tout cas, ce serait le. Faire le B sur B et essayer de se replacer éventuellement soit sur la poche du milieu. On va dire que c'est presque le coup de la. Coup de la gagne. Presque, ouais. Presque. C'est bien fait, c'est un joli coup. C'est bien fait parce qu'en plus la jeune elle passe au fond. Voilà. S'il maîtrise bien, donc là il va partir un petit peu avec une blanche contrôlée en carreau. Comme ça il peut rejouer à poche du fond à gauche, milieu et finir au fond. C'est cette visée là qui est importante. Il faut qu'il fasse un petit carreau qui bloque un peu sa blanche là en éclaté. Ça n'a rien d'avancer. Voilà, il a avancé. C'est bon. Elle est dedans. Et là le moment. Donc là c'est la replace milieu. La plus importante pour moi. Oui. C'est celle-ci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge pour se mettre bien. Parce qu'il faut pouvoir rejouer l'autre jaune en poche après. Alors, vraiment mais passé au fond, là il est reparti sur le milieu, mais il aurait pu voir et faire le tour pour jouer la jaune là au fond, c'était beaucoup plus. Là il est resté sur. Ah, elle passe au fond ? Ah oui, elle passe à droite. Là. D'accord. Mais lui, il est parti depuis le début sur la poche du milieu. Donc, c'est bien, hein, mais ça lui donne beaucoup moins de marge. Je crois qu'il l'a fait parfaitement. Il a juste à avancer un peu avec sa blanche. Petit coulé. Il a de la marge. C'est bien fait. C'est un coup de queue franc, comme il faut, pour ces coups-là. C'est pas hésitant. Fait. Pour remonter, il va jouer en rétro. Ouais, faut être court. À la limite, il vaut mieux être trop fort que pas oui. Assez. Tu me donnes froid, Thibaut. Alors,
Go, c'est parfait, C'est c'est parfait, c'est parfait, c'est nickel. nickel. Belle replace parfaite. Et victoire de Stéphane Dumont qui ferme une belle table quand même là pour finir. Oui. Où c'était quand même pas fait d'avance. Et on va dire que c'est celui qui nous a quand même produit le plus beau jeu, Oui, quand même, avec hein, quand sur même cette finale. Et, de beaucoup. mais bon, pour faire 5-4, c'est qu'il y a eu quand même un bel adversaire en face. Et ça s'est joué vraiment à rien du tout. Donc félicitations, félicitations aux deux joueurs. Et puis, comment on va essayer d'avoir un petit peu les impressions. Alors, je ne sais pas Sébastien s'il veut venir nous donner un peu ses impressions de sa finale. Ouais. Et Alors moi je vais puis te laisser. ouais, Thibaut, tu vas aller Bah rejoindre pour faire ton troisième match. Et puis ouais. ben merci encore de m'avoir Bah y a accompagné. pas Et de souci, ben c'est je te avec dirai plaisir. peut-être à l'Oudéac. Oui, tout à Hein? fait. D'accord. Merci Thibaut. Merci. Alors, nous allons recevoir Sébastien Calvez, le finaliste du jour où ben, ça s'est pas passé. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour à tous. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Hein. C'est 5-4. Bon, quelle est un peu ton analyse de cette finale? Ben, je crois que je fais trois cases, trois blanches. Ouais. Je crois que c'est ce qui a fait la différence sur le match. Ouais. Je prends la reprise, à mener 4 à 3. Je fais la casse avec la blanche. Et là, je prends reprise avec Stéphane. Du coup, je pense que c'est une grosse erreur. Beaucoup trop de blanches à la casse sur ce match. Ouais, peut-être une ou deux que tu devais prendre et que t'as livré. Oui. Lorsque lui se rate, tu devais. Bah, t'as noir au milieu là que t'as loupé là. Montait un Oui, peu en. Je sais pas si et t'étais mal positionné ou montait peut-être un peu en pression aussi, parce qu'elle est pas évidente. Ça reste les poches du milieu sur les optimas, c'est pas non plus des gouffres. Bah, c'est quand même ta première finale, première c'est pas finale du évident. TR, donc déjà très content, parce que hier j'ai eu un parcours très difficile. Diabolique, diabolique. Un Du coup, super déjà parcours. arrivé là, c'était vraiment chouette. Et Et puis jouer un coéquipier de club, c'est on jamais C'est jamais électrique, évident de jouer c'est. quelqu'un de son équipe, ouais. Ouais. Mais bon, c'est Stéphane, c'est un super joueur, donc félicitations à lui. Ouais. Ah, Voilà. peut-être tu veux profiter pour faire une petite dédicace à la famille ou ceux qui t'ont peut-être suivi. Ouais, ben coucou à Raph et Delphine qui sont sûrement en train de regarder. Bon. Et voilà, ben merci à vous en tout cas. Bah non, merci à toi et merci pour cette finale, hein, parce que comme j'ai dit, c'était pas à sens unique, ça s'est bataillé dur, tu as répondu présent et je suis persuadé qu'on aura l'occasion de te revoir. J'espère aussi. Voilà. Bon, bah, Merci. je te remercie Sébastien et bon troisième match en équipe. Ouais, merci. On va avoir Stéphane qui va venir derrière là. Donc Stéphane. Alors 2 petites secondes. Parce que moi, donc il y a Stéphane qui va arriver là. Il était en pleine discussion, débrief avec les gars du Finistère. Salut Stéphane. Salut Jérôme. Tout d'abord, félicitations pour cette énième victoire, parce que je ne les compte plus depuis Merci le temps beaucoup. que tu es sur le circuit. Du plaisir, tu as pris beaucoup de plaisir. Ouais, j'en ai pris beaucoup ce week-end, ouais. Hier Ouais. aussi. Et cette finale, alors, tu en dis quoi? Ben, très haché au départ, on va dire. Il n'y avait pas des jeux clairs. Ouais. Puis c'était un peu mieux sur la fin quand même. Bah là vous avez tu finis par une belle table, hein. Elle était pas faite celle-là, hein. La belle elle est jolie, celle d'avant elle est propre. Celle-là, je pense que c'est. J'aime beaucoup le rouge et puis c'est pour ça que j'espère qu'il va y aller sur une couleur. Hein. Pas la Ouais. bonne, bien sûr. Et puis Ouais. après, je vois le jeu jaune, je dis tant pis. Alors moi J'essaye. j'ai une petite question Stéphane parce que j'aurais même peut-être même voulu avoir Frédéric Bridonneau avec moi. Ouais. Parce que là ce qu'on a remarqué c'est qu'on applique les règles des 45 secondes. Ouais. Donc ils annoncent bien les 20 secondes, donc il y en a une où tu as fait une faute, Bah, j'ai pris une mais faute. est-ce que vous avez l'extension de temps comme normalement il est prévu Oui, et je t'avoue personne que ne l'a utilisé et j'ai j'étais complètement surpris. oublié. D'accord, donc vous étiez quand même bien au courant l'un comme l'autre que vous aviez l'extension de temps Oui. par match, Mais j'ai par tellement partie. l'habitude de l'ancienne règle de la minute sans extension que Voilà. c'est sorti de mon D'accord, esprit. c'était un point que je voulais préciser parce qu'on était surpris qu'il y avait des coups qui auraient peut-être demandé
peut-être Je pense que un si temps un des deux d'inflexion. l'avait dit une fois derrière, ça serait rentré Ouais, dans les mœurs, entre et vous guillemets. l'avez zappé tous les deux. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ok, bah, c'était ma question, tu y as répondu parfaitement. Et ben, ouais, donc, bah, bravo à toi pour cette ouverture de la saison 2021-2022 et Ouais, pour ta pareil, victoire à merci. Plélin. Bah, je voudrais féliciter Seb quand même parce qu'il a fait une sacrée journée hier, il a eu un C'est gros ce qu'on tableau. disait, oui. Sacré parcours, hein. Franchement, Il a battu l'épouvantail, entre autres, Pat Selling, on avait l'habitude aussi Bah oui. de voir en Et finale. puis Donc, Yannick Jay en demi. Non, non, Yannick Jay, sacré parcours. Ouais. il a été vraiment solide, donc bravo les gars. Ouais, vous avez une très belle équipe, hein, Roscoff, on sait, vous êtes solide. Je pense qu'on, même au niveau du club, hein, on disait différents résultats dans différentes catégories. On voit le club de Roscoff figurer C'est bien. Il y a dans des toutes les jeunes? catégories. Il y a des jeunes au moins? Oui, il y a des jeunes, ouais. C'est Ouais, bien. tu vas pouvoir Il y a passer. des jeunes, c'est bien. Je passe là-bas? Ouais, tu vas pouvoir. Bon, en tout cas, merci Steph. Et À puis, bientôt. bientôt, l'Oudéac, hein. Peut-être qu'on te reverra. Bon, merci à vous d'avoir suivi cette finale. Et puis, je vous dis à très très vite sur le sport en images. Prochain rendez-vous pour le billard, ça sera donc à l'Oudéac, le week-end du 17 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous dis à très vite. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye. Ciao.